refaire dans l'ordre. Donc, dans un premier temps, on va voir au sujet de tout ce qui va être angoisse, etc. Ta problématique, c'est quoi par rapport à ça exactement? C'est les idées obsessionnelles, en fait, les personnes qui repensent tout le temps, tout le temps. Qui ont un TOC? Non. Problématique de rumination, quand tu as la personne qui rumine tellement et ne se décroche pas de cet objet obsessionnel. Ouais, c'est-à-dire qu'elle rentre dans une souffrance parce qu'elle pense toujours soit à une rupture qu'elle vient de vivre et elle n'arrive pas. Soit à faire vraiment une rupture, quoi. Elle reste focalisée. Il y a tout qui passe à travers l'autre et qui n'est plus là, donc en fait il y a une souffrance qui est vécue par ça. Et donc c'est problématique pour moi, c'est que moi j'ai beau poser des questions, le focus est toujours, c'est vraiment des idées qui reviennent sans arrêt, et même à des ruptures de pattern ou des recherches de causes par rapport à ça, en tout cas. D'autres stress dessous, ben. C'est quoi les bénéfices secondaires? Qu'est-ce que tu cherches comme bénéfice secondaire? Parce que là, on est dans le TOC. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ces troubles obsessionnels compulsifs, qui nous permettent donc d'endormir quelque chose qui est beaucoup plus problématique. Si la personne ne sort pas de son TOC, il faut voir que le TOC permet de rassurer l'être humain. Automatiquement, on va répéter sans cesse. C'est des patterns en fait qui sont hyper agréables inconsciemment pour nous parce qu'ils nous permettent d'éviter les souffrances. Exemple de TOC hyper classique, une personne qui a perdu un enfant à un moment donné va commencer à avoir, ou on va prendre plus simple, agression une fois, et c'est la personne qui va commencer à fermer 10 fois, 15 fois, hein, de plus en plus. Et derrière, si tu bosses constamment sur cette idée d'agression, il va y avoir du faux. C'est-à-dire qu'on va revenir à l'agression, mais ça ne va pas être bon. Qu'est-ce qu'il y a derrière qui va faire que tu vas vivre le TOC? Et après, qu'est-ce que ça compense? Parce qu'après, on a les compensations. Et quel bénéfice il y a à continuer à ruminer dessus? Toi, quand tu le fais, qu'est-ce que tu présentes par rapport à ça? Parce que ton objectif, c'est quoi? Quand tu vas avoir ça avec ton partenaire? Quand le partenaire est là, en fait, c'est de comprendre son process à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'il fait, et puis de voir les... soit les manques, soit les besoins qu'il y a à toujours rester là-dedans. Par rapport à ça. Donc toi-même, tu crées un pattern dans le cheminement qui est en train d'être... De s'extraire de ça pour lui proposer, en tout cas, de voir quelles sont les ramifications en amont, hein, par rapport à son histoire, mais ça revient toujours. D'accord, ça revient toujours sur quoi? Toujours, en fait, c'est-à-dire sur les sessions. À la fin de la session, il y a un changement qui est là, et mais petit à petit, quoi, sur les semaines qui suivent, personne n'est là. Et revient, c'est toujours pareil. D'accord, donc est-ce que tu es allé chercher les bénéfices ou... Parce que la base du truc, à partir du moment où il y a quelque chose qui va, c'est qu'automatiquement on y gagne quelque chose. Si on reprend l'exemple d'une personne qui va se faire manipuler, elle a un bénéfice à être manipulée. Si une personne a une problématique X ou Y, tu gagnes toujours quelque chose. À partir du moment où tu as accepté un pattern, c'est que ça a simplifié quelque chose à l'intérieur de toi. Et qu'à partir de là, ton pattern, tu le fais répéter. Et plus il va se répéter, plus dans le subconscient, il y a quoi? Il y a la partie feignasse. Et la partie feignasse, elle est super contente parce que le pattern, c'est facile. On répète et ça demande moins d'énergie. On revient dans ce qu'on parlait tout à l'heure. Minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. Notre psyché, elle est comme notre corps. À partir du moment où tu utilises un minimum d'effort, c'est top. Dès qu'il va falloir faire plus d'efforts, on va avoir des résistances, on va avoir des problématiques vis-à-vis de nous-mêmes. Et d'un point de vue psychique, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière dans le bénéfice que tu vas gagner à garder ça? Et quelle énergie elle compense par rapport à ça? Ou en tout cas, quelle dépense d'énergie elle fait pas? Toi, par rapport à toi-même, alors pensez bien, dès qu'on a une problématique par rapport à un patient qu'on n'arrive pas à gérer, c'est notre problématique à nous, qu'on n'arrive pas à voir. Qu'est-ce que c'est pour toi le fait d'être obsessif ou obsessionnel? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as déjà eu des obsessions? Par rapport à ce que je reçois, j'ai pas l'impression d'être dans le même système d'obsession, mais je peux pas dire si j'en ai eu ou si j'en ai pas eu. Qu'est-ce que ça représente pour toi une obsession? Ouais, une grosse peur. De plonger dans un cercle ou de rentrer dans un système où il n'y a pas de sortie. Et quand tu l'entends, un partenaire qui lui est dedans et qui n'arrive pas à sortir, ça te fait peur?
peu désemparé. D'accord. Donc déjà, tu sais que ton questionnement, il va être faussé. Donc là, on vient sur un principe d'hypnose. Vous avez vu, il rentre dans sa transe, focalisation. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'hypnose, là, il rentre dans sa transe. Okay, donc le principe inductif dont tu posais la question tout à l'heure, là, il est en transe. Okay, mon induction, ça a été une question. Question sur quoi? Mémoire à long terme et pattern. Mémoire à long terme, pourquoi? Parce que c'est dans le subconscient. Pattern, c'est quoi? Dans le subconscient. Donc l'un va commencer à permettre d'entrer dans sa transe. Ok, ça veut dire quoi pour toi? Définition qui vient du conscient vers le subconscient, et à partir de là, tac, il va te donner un truc automatisé qui va être un pattern. Je repose une question dessus, ce qui permet un deep learning. Ce qui nous évite de... Mais ce qui est exactement la même chose que je fais sur du conversationnel ou du truc comme ça. Mais le principe, c'est le même principe qu'on va utiliser en street ou qu'on va utiliser sur une hypnose dite classique ou qu'on va utiliser en psycho sur certains trucs. Sauf qu'on l'utilise à ce moment-là, et là on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, on a cette notion... Qu'importe le système qu'on fait, à partir du moment où tu poses une question à quelqu'un, tu le mets en transe. À n'importe qui. C'est pour ça que souvent, en ericksonien, connecte-toi à un souvenir agréable. C'est cohérent. Ou un souvenir de merde, mais bon, limite. En thérapie, c'est pas grave de le faire à un souvenir de merde. C'est une focalisation. Quel est le pire souvenir? Donc si on reprend par rapport à ça, et que tu dis, ok, ça commence à te faire peur parce que et je suis un peu perdu, ok. Et quand tu vois, parce que si tu regardes bien, ça crée un pattern de répétition. Et t'as pas envie de tomber dans ce pattern de répétition, c'est ce que t'as dit. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui fait ton patient revenant avec le même problème? Qu'est-ce qui fait qu'il revient? Bah, il revient toujours avec le même problème. Ouais. Ça s'appelle quoi? Ouais, putain. Donc en gros, la peur que tu as par rapport à la problématique que tu vas avoir, elle se répète et elle devient l'assimilation de ta propre peur. Et donc, bah, automatiquement, ce qu'il ne veut pas toucher à l'arrière de lui, il va le vivre au travers de l'extérieur, qui va lui rappeler à lui-même que sa problématique, c'est ça. Son pattern. Vous voyez, la problématique psycho, c'est hyper cohérent. Hein. Je ne voudrais pas que ça être en boucle et fermé dans une boucle. Il se passe quoi avec ton partenaire? C'est une boucle. Donc, à partir de là, on a créé un propre pattern qu'on répète constamment dans nos sessions. Et donc, tant que lui, il n'y a pas... Et c'est pour ça, bon, je reprends ma question traditionnelle. Vas-y, pose ta question. Je vais avoir une vue d'ensemble. Qu'est-ce qui est suivi en thérapie en tant que praticien et autre? Par hypnose ou pas forcément? En thérapie. Quel que soit. La notion pour un praticien d'être suivi en thérapie, c'est la base. Si on n'est pas suivi, on est en contre-transfert. Donc, on vit ça. Ça, c'est un contre-transfert. Je suis incapable de voir à un moment donné que les patterns, c'est-à-dire la répétition d'un schéma récurrent chez quelqu'un, va me créer une angoisse. Donc, je vais avoir un partenaire qui constamment va m'enfermer dans le truc parce que moi, je ne l'ai pas encore géré. Et tant que je ne suis pas en train de le gérer, bah, je continue mon pattern. Donc, à ce moment-là, je suis aveugle. Donc, je ne suis pas capable de trouver la question qui va lui permettre de sortir. Parce que lui, est-ce qu'il est capable, à ce moment-là, de sortir de son propre pattern? Donc, à ces moments-là, on a vraiment un principe de transe. Et là, on a un transe profonde. Parce qu'on a un pattern qui est super profond. Et là, si tu regardes depuis tout à l'heure, il est en mode, je ne bouge pas. Et je suis dans mon focus intérieur. Donc on est dans les pures notions pour revenir. Comment une induction en truc, il n'y a pas besoin de faire et maintenant, tu vas dipper de plus en plus profondément. Ou t'as pas besoin de faire yo mec. On s'en fout. En trois questions, t'as n'importe qui part n'importe où. Et à partir de là, c'est à toi de savoir, ok, quel est mon principe de deepener? Dans le principe de deepener, je ne vais pas forcément le faire deepener plus profond. Non, tu peux simplement faire ok. Et par rapport à ça, ça fait quoi? Et ça t'emmène où? Et comment? Et bien là, vous faites quoi? Vous faites tac. Ou simplement, tu fais, ok, donc on revient, et on revient au départ. On revient à la problématique que tu avais au départ, c'était quoi? Voilà, et là, on est dans les fractionnements. Je te fais remonter, je te fais remonter, ce qui fait que tu bloques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à partir de ce moment-là, notre travail de fond, et là, je ne vais pas lui balancer de suggestion ni quoi que ce soit. Parce que balancer une suggestion, c'est balancer ma croyance. Donc il faut que je trouve lui la croyance qu'il peut avoir par rapport à ça. A l'inverse de la rue où on va avoir un travail d'orientation, qui est normal parce que c'est nous qui allons orienter notre partenaire, en hypnose thérapeutique, alors après toutes les écoles ne font pas la même chose, mais la logique idéale c'est lui qui va te donner ce qui est juste pour lui. Sauf que tu ne peux pas savoir ce qui est juste pour lui si tu ne vas pas poser la bonne question pour savoir ce qui est juste pour lui. Donc tu dois l'interroger. Donc tu dois éviter de donner une suggestion en disant « Mais tu sais, à partir de maintenant, tu vas sortir de ton truc. »
ça veut rien dire. Mais non, ça m'angoisse, donc il faut comprendre le pourquoi. Le comment. Puis dans l'idée, ce serait peut-être pas forcément efficace, étant donné que ce pattern a un rôle particulier de compensation, bien sûr, de quelque chose, qu'à partir du moment où, dans l'idée, on l'enlève, puisque c'est un cercle plus ou moins vicieux, on va revenir exactement au même point. On serait dans un évitement. Bah parce que, si on fait ça, on est dans un évitement. Si on commence à travailler ça, je vais lui créer un chemin d'évitement. Alors que l'idée, c'est, ok, mais dans ton process, comment ça marche? Et donc là, l'idée, ça serait pas de, par exemple, trouver un moyen de peut-être de faire comprendre. Bon, nous, on dit volontaire, mais comment, je sais plus comment vous dites. Moi, je dis partenaire. Au partenaire, ce serait pas, d'une certaine façon, comprendre pourquoi ou en quoi je compense et trouver. Enfin, je sais pas, j'ai aucune connaissance, mais trouver un outil qui permette à cette personne soit de compenser par un moyen qu'elle estime pas suffisant, mais qu'elle estime viable, et à ce moment-là, d'une certaine façon, ça contrebalancerait la problématique. Ouais, alors là, on rentre dans une. En tout cas, moi qui ai mes grandes réflexions actuellement sur l'hypnose, qui est là, on cherche une solution. Mmh. On fout qu'il y ait une solution. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il comprenne son processus. À partir du moment où tu vas comprendre ton processus, tu vas l'intellectualiser, d'accord ? Donc tu vas le mentaliser. De cette notion mentale, tu vas commencer à pouvoir observer. De cette observation, tu vas pouvoir voir physiologiquement ce qui se passe en toi quand il est dans ce stress-là. Puis après, tu vas pouvoir permettre à ton partenaire d'observer aussi ses émotions. Et au fur et à mesure, une conscientisation se passe par ces trois aspects qui va être conscience, mentalisation, notion du corps et notion émotionnelle. Si au fur et à mesure, elle commence à comprendre son process, sans que j'aie à lui dire trouver une ressource pour compenser. Parce que la problématique actuelle de l'hypnose qu'on a, c'est ok, t'as un problème, je te trouve une solution. Mais lui donner une solution, c'est tu t'es coupé, je fais en sorte que ce soit cool. Mais non, là, vaut mieux qu'il trouve les raisons qui vont lui permettre à un moment donné de prendre conscience que putain, à chaque fois que je l'approche ma main de ce truc en verre et que je fais ça, là, ça me coupe. Et ça fait mal. Et puis en plus, ça peut s'infecter. Et tu vas lui permettre, en lui-même, de commencer à trouver, donc de commencer petit à petit à conscientiser. La conscientisation va permettre de prendre de la distance sur le pattern. Étant donné que tu conscientises un pattern, tu n'es pas en train de l'intellectualiser. Parce que je comprends comment je marche, ce qui arrive souvent en psychanalyse. Ouais, mais attends, je comprends comment je fonctionne. Oui, c'est ta tête qui a compris. Ton corps, il n'a toujours rien capté. Et tes émotions non plus. La conscientisation, elle passe par trois parties. Et à la place de chercher à ce qu'il trouve une ressource, on utilise classiquement en hypnose, hein, aller chercher une ressource, alors si on fait dans de l'indirect, aller chercher une ressource symbolique, etc., etc., ou métaphorique, etc., dans le direct, mais une suggestion qui va lui permettre de sentir bien mieux, mais là, on serait sur du symptôme. L'idée, ça va être, ok, ce processus, il vient d'où? Il vient comment? Qu'est-ce qu'il a construit? Et qu'est-ce que ça te fait de l'utiliser? Quels sont tes bénéfices secondaires à toi? Et, petit à petit, c'est pour ça que souvent, en tout cas, moi, dans ma perception, ma toute petite perception de l'hypnose, on arrive sur quand même une forme analytique, à un moment donné, mais ce qui n'empêche rien, parce qu'il est quand même en transe. N'oubliez pas, en hypnose, et ça, c'est souvent un défaut qu'on a, on a l'impression, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais, mais le gars, il s'en souvient pas, pour moi, l'hypnose, c'est on tombe comme ça. Mais pour moi, c'est déjà une transe qui est dissonante. Une transe, on tombe comme ça, ça veut dire qu'on est en transe subconsciente, c'est-à-dire qu'on est en évitement. Par exemple, vos volontaires, vous allez dans la rue qui part comme des balles, c'est des gens qui potentiellement sont ceux qui sont les moins bien. Super moyen d'évitement. Et en plus, ce qui est génial dans la life, c'est que j'ai rien à faire, et le mec il me dit quoi faire, et je m'amuse. Super, c'est super bien, mais c'est une transe d'évitement. Une transe thérapeutique va être dans une transe où il va pouvoir conscientiser ce que je dis, voire même mentaliser, réfléchir, penser, me donner de l'info, donc en gros son conscient est quand même là, et son subconscient va nous donner un feedback. Avec ces trans, tiens là, mais ça vient de faire ça, tiens ça me plaît pas, ça me plaît, etc., etc. Ce qui va nous permettre, lui permettre de créer à lui-même potentiellement déjà une découverte de son propre programme, puis après commencer à corriger le programme, la ligne de code qui déconne, puis petit à petit aller vers quelque chose qui lui convient. Mais ça demande un certain temps.